Fanny Stenler, c'est vous qui suivez ce dossier à Pantin. Où en est l'enquête pour tenter de retrouver ces deux hommes? Eh bien, Jean-Baptiste, les deux hommes sont toujours en fuite à l'heure actuelle. D'importants moyens sont engagés pour tenter de les retrouver. Les policiers visionnent notamment les bandes de vidéosurveillance de ce site, mais aussi de toute la ville de Pantin. Des prélèvements ADN seront également effectués sur le matériel laissé par les deux individus dans leur fuite, comme un pied de biche par exemple. A priori, rien n'aurait été volé, selon les premières constatations de la brigade criminelle. Cette nuit, les hommes du raid ont passé au peigne fin ce bâtiment de plusieurs milliers de mètres carrés sans retrouver de traces des deux hommes. Le témoignage du policier blessé qui devrait sortir sous peu de l'hôpital devrait également aider les enquêteurs dans leur recherche.